Rebonjour. Alors, comme promis, on regarde ensemble le colis que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, j'ai reçu un colis de distress, des encres distress. Voilà. En fait, je me suis aperçue que j'avais quelques couleurs dont j'avais envie et que je ne trouvais pas dans les magasins où j'achète. Ouh là là, je suis en train de tout faire tomber. Dans les magasins où j'achète d'habitude. En fait, ça m'embêtait un petit peu parce que à chaque fois, je trouvais par exemple trois couleurs par-ci, trois couleurs par-là. J'avais pas envie de payer plusieurs frais d'envoi. En boutique, voilà, le souci, c'est que la seule boutique où j'aurais pu aller les trouver est à plus d'une heure de route. Hein, vous le savez, autant apprivoiser à Chalon-sur-Saône est un petit peu loin de chez moi. J'ai pas trop. Voilà, j'évitais. De faire trop de kilomètres. Et ma voiture étant au garage. Donc j'ai commandé, j'ai réussi à trouver une boutique où j'ai pu commander toutes les couleurs que je voulais. Les tampons sont à. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Eh bien non. 5,30 euros. Oui, c'est ça, 5,30 € le pad d'encre. Donc, j'ai commandé sur Scrap Malin. Alors, Scrap Malin, c'est les loisirs créatifs Rougier et Play. Épié, pardon. Attendez, je regarde. Voilà, et Play. Voilà, et non pas pied. Je vous montre. Ah, donc j'ai eu un petit catalogue. Donc voilà, www.rougier.fr, rougier-ple ou play.fr. Donc vous allez trouver énormément de choses. Et moi je trouvais que 5,30 € c'était pas, voilà, c'était pas excessif, hein. Au niveau des distress. Donc je vous montre la première couleur, c'est Lucky Clover. Donc c'est à peu près trèfle au niveau de la couleur, donc un joli petit vert. Ensuite un autre vert, mais cette fois-ci épine de pin. J'avais pas beaucoup de verre, en fait j'ai un petit verre pastel qui est craquette pistachio. Voilà, donc c'est le seul que j'avais, donc j'ai pris ces deux-là. J'ai pris le black shoot, donc le noir. Hein. J'ai pris le Adjed Mahogany, donc moi ce que j'appellerais un. Comment dire? Je sais même pas vous dire au niveau de la couleur. Je dirais même pas grenade parce que non. Enfin, je pense que vous retrouverez, hein. Vous retrouverez comment dire, la colorie parce que c'est vrai que c'est bien gentil de nous mettre des noms comme ça, mais. C'est pas évident de se représenter les couleurs. Je l'avais en tête et puis je suis désolée, là je l'ai, ça m'a échappé. Ensuite, il y a Grand Espresso, donc bien sûr marron. Et la dernière, Seedless Preserves. Je dirais une sorte de violet. Voilà, donc c'est les 6 que j'ai achetés. Et ensuite, j'ai craqué pour deux petits tampons de Florilège Design. Trop choupi. Donc j'ai trouvé. Ils sont à moins de 3 euros, hein, les tampons. Donc c'est des petites touches de texte. Alors, celui-ci. Puis alors, les codes. Il y a bien de référence, mais alors c'est très petit.
je peux essayer de vous donner la référence. Alors, c'est FDCL 21 6009. Donc, voilà, les petits tampons. C'est un poème. Oui, parce qu'on voit. Alors, on voit regarder, on voit vent, vert étoilé, heure étincelante, la route céleste, constellée, véritable poussière. On voit, voilà, c'est une poésie, hein, un extrait de poésie. Et ensuite, il y a ce deuxième tampon de Florilège Design, mais cette fois-ci, le texte est en typographie, on va dire, journal. Donc j'aime beaucoup aussi. Donc je vous l'ai dit, hein, moins de 3 euros les tampons, ils sont très jolis. Bon, j'avoue, j'aurais voulu les avoir un peu plus grands, surtout celui-ci, mais ils sont quand même super jolis. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette commande. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire marcher mon imagination. Je pourrais bientôt vous proposer des cartes style Lavinia. Bon, si, j'avoue que là, c'est un petit peu surchargé, moi, au niveau du temps, mais et puis il faut encore que je me construise une petite étagère, puisque mon étagère, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 places, et j'ai 6 tampons ici dans ma boîte, et j'en ai 4 que mes enfants m'ont acheté pour Noël. Donc voilà, en tout cas, le carton très rapidement reçu, bien emballé, hein, quand même bien protégé avec ça. Les prix, je trouve que c'est vraiment pas excessif. Les frais d'envoi non plus, pas excessif. Voilà, en tout cas, je suis très contente. Il y a un choix énorme au niveau des distress, et je vous dis, hein, 5,30 €. Les moins chers que je trouve, moi, sont chez. Alors, je perds la tête ce soir, je suis désolée. Oh là là, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur. Craftelier, voilà, oh là là. J'avais du mal à sortir, voilà. Les moins chers que je trouve d'habitude sont sur Craftelier. Mais comme je vous le disais, hein, j'avais pas vraiment toutes les couleurs, les deux ou trois maximum. Et là, j'ai vraiment trouvé les 6. Donc je suis très contente. Voilà, cette fois-ci, je crois que je vais arrêter de commander pour l'année 2020, en tout cas. Donc je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous intéressent et à me mettre des commentaires. Si vous avez besoin de références, n'hésitez pas aussi à me le dire et je vous les noterai en commentaire. Bonne fin de soirée et bon week-end à tout le monde. Au revoir.